Si vous voulez, oh, ça commence bien, je reviens. Si vous voulez en fait définir vos blocs, j'avais plus à parler. Si vous voulez définir vos blocs, oh. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons filmer une vidéo. Donc, en fait, je suis en train de tester, je filme sur mon portable, donc j'espère que c'est en focus. Donc, je voulais filmer cette vidéo comme... Car j'ai testé une gamme, bon ça fait pas, c'est comme je vous ai dit sur une de mes vidéos précédentes, c'est pas la première fois que je teste un produit de la gamme. J'ai appliqué en fait cette gamme sur mes cheveux et j'ai adoré le résultat, donc je pense que bien sûr vous avez déjà une idée sur le titre de la vidéo. C'est la marque Shea Moisture, donc j'avais déjà un produit de la marque Shea Moisture et comme je vous ai cité dans une vidéo précédente, j'ai acheté deux autres produits, c'est la Curl Enhancing Smoothie. La Roll and Shine Moisture Mist et j'ai ajouté sous mes cheveux, mais il ne me reste pas beaucoup quand même, le Curling Gel Soufflé. En fait, ces trois produits sont juste incroyables. Je ne sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez bien voir sur mes cheveux, donc la définition est juste incroyable. Par contre, ce n'est pas une gamme. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, mais si vous voulez un maintien. Si vous voulez définir vos boucles, c'est vraiment une bonne gamme. Si vous voulez hydrater vos cheveux, c'est excellent. Par contre, si vous voulez une tenue à longue durée, peut-être c'est pas la coiffure idéale. Comme vous pouvez voir ici, donc mes cheveux sont hyper défis. Ils sont juste doux, ils sont bien, ils sont juste... Par contre, ils sont frisés. Donc, quand ils disent antifreeze sur mes cheveux, bon, il n'y a pas d'antifreeze en mode freeze. À 100%, mais j'ai vraiment adoré, j'aime quand même le résultat, je trouve que c'est juste incroyable. Je vais commencer déjà par vous expliquer ce que j'ai fait. Donc c'est dommage que je ne vous l'ai pas montré, mais comme vous, je pense que vous êtes déjà au courant, quand vous avez des cheveux naturels, si vous devez tout filmer, vous devez laver tout ça, je vais passer toute ma vie. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, donc j'ai lavé mes cheveux avec un produit, pas de la gamme Shea Moisture, j'ai hydraté mes cheveux ensuite avec ça, donc la Roll and Shine. Donc l'odeur en fait de ce produit est un peu, c'est à peu près comme les autres, c'est une odeur un peu doux. Par contre, au début quand j'ai mis, je me suis dit que ça fait rien du tout sur mes cheveux. Pourtant, tu le sens en fait, même si c'est fine, mais je trouve que c'est un plus en fait de mettre sur les cheveux. Par exemple, j'ai l'habitude d'appliquer tout ce qui est coconut oil, donc l'huile de coco sur mes mèches, sur mes cheveux en général, mais là vous avez de l'huile de coco, du protéine et du neem oil. Je sais pas c'est quoi le neem oil, mais ces trois combinaisons en fait sont excellents. La gamme en fait, je trouve que c'est une gamme pour les personnes qui ont des problèmes en fait pour hydrater leurs cheveux. Dans mon cas en fait, comme je sais que mes cheveux sont très, c'est difficile en fait de maintenir l'hydratation sur mes boucles en fait, sur le type de cheveux que j'ai, mes cheveux sont frisés en fait, ils ont des boucles mais ils sont pas des boucles, si tu les laves, ils ont des boucles mais des frisottis de tous les sens. J'ai pas des cheveux où mes boucles sont définies à 100%, il faut que je manipule un peu pour définir en fait mes boucles. Par contre, j'ai des cheveux assez fines, mais j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête. Là, mes cheveux sont courts, mais si mes cheveux poussent, je me souviens quand j'étais petite, j'avais beaucoup plus de cheveux. Mais bon, ça c'est autre chose, je vais pas voir, vous avez compris tous les n'importe quoi que j'ai fait. Mais bon, mais entre temps, j'essaie vraiment, comme je vous ai dit, d'essayer de bien hydrater mes cheveux. Parce que quand vous allez hydrater vos cheveux, c'est comme ça, vous allez maintenir en fait vos cheveux en fait vont être en bonne santé. Plus vous hydratez vos cheveux vont être en bonne santé. Bien sûr, il faut équilibrer entre faire des soins protéinés et hydrater vos cheveux. Mais bon, vous pouvez hydrater vos cheveux avec de l'eau aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire à 100%. Bon, ça dépend de vos cheveux. Moi, il me faut plus que de l'eau pour hydrater mes cheveux. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué ça. Ensuite, pour démêler mes cheveux, j'avais testé au début un produit de Ann Jackies. Mais j'ai dit, tu sais quoi, je vais vraiment rester dans la gamme. Et j'ai appliqué ça, donc le Curl Enhancing Smoothie. Franchement, ça, c'est juste à déchirer, quoi. Le truc est top. Franchement, au début, j'étais là, mais ça sent bon, quoi. J'ai dit, ah, mais la texture est vraiment bien. Je sais pas si vous pouvez voir ici, je vais essayer de vous montrer. C'est juste incroyable. Ça démêle mes cheveux, ça hydrate mes cheveux. Et je sais pas, mais je l'ai eu à 15 euros, non, à 14, entre 16 euros, j'ai eu ça, 16,50 euros je crois, entre 15 et 16 euros, ça j'ai eu à 14 euros et des poussières.
Et ça, par contre, c'est juste super. Franchement, c'est les meilleures crèmes pour hydrater mes cheveux que j'ai de tous mes produits capillaires. Et comme je vous ai cité dans une vidéo précédente, j'ai déjà testé beaucoup de marques. Mais j'ai testé pas mal de produits, mais ça, franchement, les filles, c'est le top. Et honnêtement, au début, j'ai déjà vu plein de vidéos avec ça. Au début, je me dis, ouais, c'est ça, le truc que je vais acheter et je vais être comme, c'est pas mal. Mais honnêtement, je pense qu'ils avaient tout à fait raison. Ça, c'est super. Même si vous avez des cheveux pas bouclés, je pense que vous mettez ça sous vos pointes. Par contre, il ne faut pas trop en mettre si vous n'avez pas les cheveux crépus, bouclés, etc. Parce que si vous avez les cheveux droits, c'est un peu lourd, je trouve. Mais c'est pour ça que j'adore, parce que le fait que c'est lourd, moi, je suis accro. J'adore. Voilà. Après avoir mis la Curl Enhancing Smoothie, bien sûr, dans la même collection. Ah oui, et si je ne l'ai pas cité, c'est la collection Coconut and Hibiscus. Donc là, en fait, c'est le Curling Gel Soufflé. Donc, c'est une définition de boucle. Par contre, moi, je trouve que ça définit les boucles. C'est hyper doux, mais c'est pas comme l'autre gel que j'avais cité. C'est pas mal, mais au niveau de la tenue, c'est autre chose. Là, c'est pas tenue à longue durée. Là, c'est vraiment plus pour mettre un peu de brillance dans vos cheveux, pour hydrater, pour faire définir les boucles tout en gardant ce côté soft. Et il n'y a vraiment pas d'effet crunchy dans cette marque. Je ne sais pas pour les autres produits qu'ils ont, mais pour la collection, pour la gamme Coconut and Hibiscus, l'effet crunchy, ça n'existe pas. Dans tous les cas, on vous dit clairement, c'est anti-frizz. Bon, tout dépend de vos types de cheveux. Dans mon cas, anti-frizz, c'est pas... Je trouve qu'il y a toujours cet effet frizzy. Vous dit ça hydrate vos cheveux et ça vous donne un peu de brillance. Les deux je dis oui, antifrizz sur mes cheveux, bof, sans plus. Par contre, si je fais là, j'ai fait un braid out, mais si j'avais fait un twist out, je sais que j'ai déjà fait un twist out dessus et mes cheveux étaient pareils. Par contre, mes cheveux étaient en mode brillance totale. Même je me souviens très bien que il y a même une personne qui m'avait arrêté dans le bus, me dit, mais excuse-moi, ce sont vos cheveux? J'ai dit oui. Ils ont dit que c'est joli, c'est magnifique. J'avais beaucoup de volume et j'ai l'impression que mes cheveux sont tellement hydratés que mes cheveux sont juste parfaits. Donc c'est pour ça. Donc ces trois produits, elles sont vraiment top. Comme vous pouvez voir ici, elles sont juste top. J'ai pas encore testé en fait tout ce qui est shampoing, tout ce qui est après shampoing. Je pense qu'ils ont un autre truc démêlé pour démêler vos cheveux. Je n'ai vraiment, vraiment pas encore eu le temps de tester tout ça. Et aussi, c'est un budget parce que chaque produit chez moi, ça coûte une quinzaine d'euros. Si je dois acheter déjà 4 produits, ça c'est déjà 50 et quelques euros. Bon, c'est des sous, je trouve. Hein. Donc, c'est pour ça que je préfère acheter au fur et à mesure des trucs que j'ai vraiment aimé, des trucs que j'adore. J'aime beaucoup ce genre de produits. Et je veux vraiment, comme je vous dis toujours, cette année, je veux prendre soin de mes cheveux. Et je veux pousser et maintenir la longueur de mes cheveux. Déjà, je veux des cheveux en bonne santé parce que ça sert à rien d'avoir des cheveux longs et vos cheveux sont froids en bonne santé. Mais je veux vraiment avoir des cheveux en bonne santé. C'est pour ça que j'essaie de trouver des produits efficace sur mes cheveux, c'est-à-dire je sais qu'il y a plein de produits que je peux tester, des produits que j'ai déjà testé dans le passé, tout le monde en parle, mais comme c'est pas efficace sur mes cheveux, je trouve que ça sert absolument à rien de vous faire une vidéo dessus. Je préfère vous faire des vidéos sur des produits qui sont efficaces, qui peuvent vous aider et où il y a pas mal de revues dessus, où il y a plusieurs filles qui font des revues sur les produits. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo ou que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à tout mettre en barre d'infos, vos commentaires, si vous avez déjà testé la gamme chez moi. Je pense que pas mal de personnes ont déjà testé la gamme chez moi, sinon on ne sait jamais. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un gros pouce vert ou je ne sais pas quelle couleur, oui, vert je crois. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Je sais que je ne le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner en bas, quelque part en bas, ou vous cliquez sur... c'est juste à côté de ma photo, la photo de ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner ou subscribe, tout dépend de vous êtes, bref. Et vous pouvez me suivre, voir plus de vidéos. Je mettrai aussi le nom de mon Snapchat ici. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et bye bye. Bye.